Messieurs les directeurs des services,
Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités locales, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, honorables invités, fidèles amis de l'école, Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant tout de rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a une fois encore permis d'assister à ce moment important de la vie de l'École nationale des officiers d'active, à savoir la sortie de la 36e promotion baptisée promotion lieutenant Philippe Maurice Camara. Dans un court instant, ils se présenteront devant vous pour recevoir leurs premiers attributs d'officier et prêter serment conformément aux traditions de l'école. Je voudrais, en leur nom, au nom de tous les officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l'école, vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites de nouveau en vous associant à la présente cérémonie. Monsieur le ministre des Forces armées, j'ai l'honneur de vous renouveler l'expression de ma reconnaissance pour avoir une fois encore accepté de présider cette cérémonie de remise des épaulettes en dépit de votre emploi du temps très chargé. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de remercier aussi la hiérarchie militaire dans son ensemble pour sa bienveillance à l'égard de l'ENOA, mais plus particulièrement le chef d'état-major général des armées, d'une part pour l'appui et le soutien constant accordé à nos activités de formation ou de rayonnement, et d'autre part pour avoir inscrit l'ENOA sur la liste de ses priorités en 2018, avec comme impact l'attribution d'un fonds spécial destiné à la rénovation et à la modernisation de notre établissement. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à mes illustres prédécesseurs. Je veux nommer les anciens commandants de l'ENOA ou Kelletiri. En effet, c'est grâce à l'abnégation et à l'ingéniosité de ces pionniers que le prestige de l'école continue de se hisser au sommet et de faire la fierté de tous les pays frères et amis du continent qui lui confient la formation de leurs fils, futur cadre des armées. Par ailleurs, je salue les grandes académies militaires du monde qui s'intéressent d'année en année aux échanges d'expérience et d'expertise avec notre école. Cette marque de confiance nous réconforte et nous invite à persévérer dans la voie de l'excellence. À ce titre, vous avez sur cette auguste cour de la devise les cadets en provenance des États-Unis d'Amérique, précisément ceux de US Army Cadet Command, qui sont venus partager leur vécu et leurs expériences en s'enrichissant aussi des expériences de leurs camarades africains de l'ENOA. C'est également le cas pour l'Académie de Dresde, la German Army Officers School de la République d'Allemagne, qui a encore reçu des élèves officiers de l'ENOA pour participer à un exercice international du 21 au 29 avril dernier. Il en est de même du partenariat avec le Brésil, qui marque son appui à la formation par le détachement d'un officier de liaison depuis 2 ans. En outre, nous assistons à l'arrivée de la République populaire de Chine, qui, au premier contact, s'est généreusement engagée à prendre en charge l'agrandissement et la rénovation de l'amphithéâtre Koch. Pour clore ce chapitre sur la coopération avec les académies militaires étrangères, nous mentionnerons la République de Turquie, qui elle aussi vient d'inviter une délégation de l'ENOA à prendre part à un exercice international de tir du 1er au 12 juillet hier. L'attraction que nous exerçons sur ces grandes nations militaires nous interpelle doublement. D'une part, elle est pour nous un immense honneur. Et d'autre part, elle constitue un véritable défi.
celui de nous maintenir dans la cour des grands, où le seul visa requis est l'excellence. Mesdames, messieurs, honorables invités, la 36e promotion qui a l'honneur ce matin devant vous est forte de 52 élèves officiers, tous titulaires au moins d'une licence obtenue dans des universités ou établissements d'enseignement supérieur de 9 pays, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, Togo et Sénégal. Cette promotion s'est également vue greffer depuis septembre 2017, en début de deuxième année, de 17 élèves stagiaires professionnels titulaires du diplôme d'aptitude au grade d'officier pour être formés dans le même moule au noble mais exigeant métier d'officier. La formation morale, physique et intellectuelle qu'ils ont suivie avec rigueur leur permet aujourd'hui d'être aptes à rejoindre le corps des officiers, les uns comme sous-lieutenants et les autres comme aspirants, pour servir aux côtés de leurs aînés avec honneur et fidélité dans la pure tradition de nos armées. Je suis donc très confiant dans la capacité de chacun d'eux à gagner le pari sur l'avenir en relevant le défi d'apporter un supplément d'âme et d'énergie à son futur corps d'appartenance. On aura ainsi de manière toujours plus éclatante notre école dans le sillage des anciens et du parrain. Élève officier de la promotion lieutenant Philippe Maurice Camara, je vous demande donc de vous inspirer constamment de l'exemple de votre vaillant parrain dont la carrière a été marquée du sceau de l'engagement et du sens de l'honneur. Né le 14 mai 1982 à Dakar, le lieutenant Philippe Maurice Camara a été incorporé le 1er octobre 2006 au sein de la 26e promotion de l'ENA. Il est nommé au grade de sous-lieutenant le 1er juillet 2008 et promu au grade de lieutenant le 1er juillet 2009. À sa sortie d'école, il a été affecté au bataillon des blindés, où il s'est distingué comme jeune officier au potentiel énorme, avec de très belles qualités professionnelles et humaines. En peu de temps, ce valeureux officier au potentiel énorme et aux qualités exceptionnelles a convaincu par son aptitude au commandement sur ses capacités à mener une cellule de combat en opération. C'est d'ailleurs au cours d'une opération de sécurisation dans la région de Jigenshor, le 26 février 2011, qu'il fut mortellement blessé, alors qu'il tentait de reprendre à bord de son engin la tête de son peloton. Les armées venaient ainsi de perdre un officier valeureux, courageux et digne, source d'inspiration pour les générations actuelles d'officiers. Élève officier de la 36e promotion, pour être digne de votre parrain, il faudra toujours avoir comme ligne de conduite l'accomplissement de la mission pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et les succès des armées du Sénégal, conformément à la formule consacrée. Gardez surtout à l'esprit que la discipline demeure la force principale des armées et devra constituer un des piliers de votre action pour mener vos hommes sur le chemin du devoir. Au sortir de cette école, vous serez d'emblée au contact des réalités de la vie quotidienne du corps de troupes. Vous devrez prouver votre efficacité face aux nouveaux types de menaces et défis auxquels vous serez confrontés, car vous êtes avant tout des hommes formés au métier d'officier du 21e siècle. N'oubliez jamais, à cet égard, que la troupe est et sera toujours à l'image du chef, c'est-à-dire à votre image. Dans ce sacerdoce que vous avez choisi et qui vous a adopté, redressez plus haut encore la tête, affirmez plus fort votre vocation, soyez des hommes de devoir, mais surtout soyez des hommes d'honneur et d'action. On n'obtient rien sans mal, et en tant qu'homme d'action, ne vous étonnez pas de rencontrer des difficultés. Ne soyez pas de ceux qui, voyant devant eux une bouteille à moitié pleine, se lamentent de ce qu'elle est à moitié vide. En tant que chef, aimez vos hommes de la bonne manière
en détectant ce qu'il y a de meilleur en chacun, et en les amenant à tout prix à le mettre au service de l'ensemble. Je suis persuadé qu'une équipe médiocre peut s'animer et se surpasser au souffle d'un chef de valeur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent dans vos futurs emplois. Aux officiers des pays frères et amis du Sénégal qui nous ont fait confiance pour former leur cadre, je dis bon retour dans vos armées respectives. Bonne suite de carrière tout en vous exhortant à vous comporter en dignes ambassadeurs de notre prestigieuse école. En cette heureuse occasion, j'éprouve un grand plaisir à vous féliciter solennellement devant toute la hiérarchie militaire. Avec vous, je veux aussi remercier vos instructeurs, vos professeurs, vos parents et tous ceux qui ont contribué à la formation académique et militaire que vous avez reçue. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. On ne tue, mais on ne nous déshonore pas. Sous-lieutenant Mohamed Abdourazak Sohno, promotion lieutenant Philippe Marus Camara. À vos armes, monsieur le ministre.
Sous lieutenant Boylen sans promotion, lieutenant Philippe Maris Camara. Vous êtes là. Sous lieutenant Papa Tamsikio, promotion, lieutenant Philippe Maris Camara. Vous êtes là. Allez, bon, c'est bon. Lieutenant Harris Dio Coco, comment sont les plans de l'étranger? Avant de manger, général. Sous le nom Bachir Abou, promotion, les nafs, les camarades. Vas-y, on connaît. Sous le nom Bachir lieutenant de la promotion lieutenant Philippe Maris Camara, rejoignez les rangs. Des armes. Monsieur le général de corps d'armes, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Messieurs les officiers généraux, de militaires de coopération. Mesdames, messieurs les représentants des collectivités locales. Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités. Il m'est aujourd'hui particulièrement agréable, comme à l'accoutumée, de partager ce moment important de la vie de l'École nationale des officiers d'active, creuset de formation de nos futurs cadres militaires sénégalais et africains. Ce sentiment est renforcé par l'occasion qui m'est offerte de m'adresser à ces jeunes officiers qui arrivent au terme d'une formation qui les a dotés de rudiments nécessaires à l'exercice de leurs futures responsabilités. Moment émouvant, la cérémonie qui nous réunit dans cette mythique cour de la devise marque le triomphe de la promotion lieutenant Philippe Marius Camara, la 36e issue de cette école. La foi qui habite chacun de nous se joint à l'esprit et à la fibre patriotique pour magnifier davantage cet instant aussi solennel qu'émotionnel. En effet, il s'agit pour l'essentiel d'une joie immense d'accueillir dans le corps des officiers ces 52 sous-lieutenants. Le souvenir de leur illustre parrain, de surcroît un ancien de l'école, ravi à notre affection le mardi 26 février 2011,
ne saurait nous laisser de mal. Monsieur le général, chef d'état-major général des armées, ma présence aujourd'hui, au-delà d'une tradition bien établie, se voudrait aussi et surtout un témoignage éloquent de l'engagement des autorités politiques, le chef de l'État en premier, à la modernisation de notre outil de défense et à son alignement sur les standards internationaux. Le maintien de la qualité de la ressource humaine à travers une formation pluridisciplinaire et exigeante étant une condition sine qua non dans la recherche du succès, vous comprenez de facto toute l'importance que nous attachons à cette école. C'est pourquoi je ne saurais poursuivre sans magnifier l'engagement de tous ceux qui, de par leur clairvoyance et leur esprit prospectif, ont contribué à bâtir la réputation de cet établissement qui demeure un véritable creuset d'excellence, dont la réputation va au-delà de nos frontières. En effet, la diversité des nationalités rassemblées dans la promotion qui achève sa formation dans ce cadre de référence en est le reflet manifeste. Elle jette également les bases de la mutualisation des efforts des pays africains en matière de défense et milite en faveur de l'intégration de nos outils de défense et de sécurité dans un environnement géopolitique en pleine mutation, marqué par l'émergence de nouveaux périls tels que le terrorisme, le trafic de drogue, la prolifération des armes, la piraterie maritime et la criminalité transnationale. Ces périls ne nous laissent d'autre choix que de renforcer l'intégration sous-régionale et les partenariats intra-africains pour protéger et développer nos pays respectifs. C'est ici l'occasion de saluer tous ces pays frères et amis à travers leurs ambassadeurs et attachés militaires présents pour la confiance qu'ils accordent à notre école en lui confiant la formation des futurs cadres de leurs armées respectives. De même, nous apprécions à sa juste valeur tout le soutien didactique ou logistique de certains pays et qui nous permettent, à travers des partenariats féconds, d'optimiser la valeur pédagogique de nos enseignements. Ainsi, c'est naturellement que nos remerciements les plus sincères s'adressent aux États-Unis d'Amérique pour la coopération avec l'école militaire US Army Cadet Command, à la République d'Allemagne à travers The German Army Officer School, au Brésil qui, en plus de détacher un officier de liaison depuis quelques années, décerne désormais une médaille aux meilleurs élèves officiers dans le but de promouvoir l'excellence. Il faut saluer également l'action de nouveaux partenaires que sont la Chine et la Turquie qui soutiennent gracieusement la formation de nos élèves. Mesdames et messieurs, honorables invités, cette rencontre m'offre l'opportunité encore une fois d'échanger avec les futurs cadres des armées africaines. Officier de la promotion, lieutenant Philippe Marius Camara. Cette cérémonie de triomphe est un grand moment de votre vie. Elle consacre votre accession à la carrière militaire. Une carrière certes exigeante, mais qui n'en est pas moins exaltante, car vous donnant la possibilité de servir la patrie avec abnégation et sens du sacrifice. Vous serez désormais investi de la responsabilité éminente qui incombe aux officiers au sein des armées et dans la société. Le choix du nom de votre promotion est particulièrement évocateur. Le lieutenant Philippe Marius Camara laissera à la postérité le souvenir inoubliable d'un jeune officier qui, engagé dans une opération de sécurisation en zone militaire numéro 5, est tombé l'arme à la main. Ce bel exemple d'héroïsme devra être pour vous une interpellation, un appel permanent vers les cimes du patriotisme, de l'esprit de sacrifice et surtout
de l'impératif majeur de la défense de notre unité nationale et de notre intégrité territoriale. Ainsi, je souscris pleinement au choix porté sur ce jeune, brillant et émérite officier qui se justifie non seulement par un parcours militaire unique, courageux et clairvoyant, mais aussi et surtout qui illustre parfaitement les qualités dont vous aurez à faire preuve tout au long de votre carrière et qui sont le sens de l'honneur, la fidélité, le courage et le don de soi. C'est d'ailleurs ces qualités qui expliquent le sacrifice suprême de votre parrain à l'hôtel de la paix et de la sécurité. Également, ne perdez jamais de vue que dans l'accomplissement de vos missions, la discipline, la loyauté et l'esprit de sacrifice seront autant de valeurs dont vous devez vous souvenir, ce qui suscitera sans aucun doute le respect de vos concitoyens et la considération de la nation. Sous-lieutenant de la promotion, lieutenant Philippe Marius Camara, vous êtes à un tournant décisif de votre carrière et vous y avez été bien préparé avec un enseignement tourné vers l'action qui vous permet d'aborder avec sérénité les défis à venir. À ce titre, la problématique soulevée par le commandant d'école cadre parfaitement avec la formation que vous avez reçue. Il est, en effet, important de comprendre que les relations humaines sont au cœur de votre commandement. C'est la clé de votre réussite des armées. Soyez-en convaincus, car si l'exigence requiert une grande fermeté, celle-ci peut fort bien être empreinte en temps normal de courtoisie, voire d'humour, dès lors qu'elle ne se pratique pas aux dépens du subordonné. Un chef humain s'adresse à ses subordonnés avec les égards qu'il consentirait à d'autres dans d'autres circonstances, et ce, sans craindre de voir s'effriter son autorité. Dès lors, en consultant cet esprit d'humanité, vous saurez connaître, comprendre et aimer les hommes qui seront mis sous votre responsabilité. Vous saurez également fédérer leurs énergies et faire converger leurs talents individuels vers un objectif commun. Par ailleurs, l'exercice des responsabilités de chef de section est complexe et exigeant car il requiert un engagement fort, continu et fait finalement appel à toutes les vertus. Votre statut d'officier vous positionne en situation de responsabilité et votre décision vous engagera comme elle engagera aussi vos subordonnés. Vous aurez la charge d'assumer vos choix devant vos chefs, mais aussi devant vos subordonnés, sachant qu'il n'existe pas de solution algébrique en matière de prise de décision. Chers officiers, je demeure convaincu que vous avez été bien préparés pour relever les défis futurs de votre quotidien opérationnel, car vous avez reçu une formation de haut niveau basée sur l'exigence. Cette exigence, c'est une certitude, surgira dans vos missions, souvent au moment où vous vous y attendrez le moins. Vous devrez être des meneurs d'hommes. Votre autorité, certes, mais aussi la justesse de votre jugement et votre capacité à les soutenir dans l'épreuve seront capitales. La bravoure et le professionnalisme doivent être votre viatique sur les théâtres d'opérations intérieures et extérieures, car vous serez porteur des valeurs d'honneur et de patriotisme qui font aujourd'hui le renom de notre armée. Gardez à l'esprit que la discipline qui demeure la force principale des armées, la vôtre en premier, devra constituer un des principaux piliers de votre action pour mener vos hommes sur le chemin du devoir. Instruisez-vous en permanence pour rester compétent, car, comme le disait Napoléon, je le cite, « La plus grande immoralité est de faire un métier que l'on ne connaît pas. » Fin de citation. Instruisez vos hommes
et ayez le souci de leur bien-être. Alors, ils contribueront pleinement au succès de la mission. Il ne me reste plus qu'à formuler des vœux pour que votre carrière vous apporte des satisfactions personnelles à la hauteur de votre engagement. Vous êtes donc les garants d'un héritage et les prolongateurs d'un engagement au service de vos pays. Cet engagement, il est celui de tous les militaires. Vous méritez à ce titre l'estime et le soutien de la nation que dès demain, vous êtes appelé à servir. Appropriez-vous en permanence la devise sacrée de votre école, Khel, Djom, Fit, et ayez toujours en toile de fond celle de notre vaillante armée, on nous tue, on ne nous déshonore pas. À vous, officiers des pays frères et amis, qui êtes venus enrichir nos rangs, je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et vous exhorte à vous montrer à la hauteur des espérances que nos nations ont placées en vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Prenez le bord ! On le tue, mais on ne le déshonore. Abdou Razak Sohna, de la promotion lieutenant Philippe Maris Camara. Nous venons.
ma vision des choses, je veux dire. Étant civil, on a une compréhension de la vie qui est très différente de celle de la conception militaire. Donc je dirais surtout que c'est ça qui a changé, hein, par rapport à tout ce que j'ai vécu ici et par rapport également à tout ce que j'ai vu avant, ma conception des choses. Par rapport à ma nouvelle situation, elle est positive, elle est très positive. D'abord, la profession de militaire, d'homme de tenue surtout, je veux dire, c'est quelqu'un qui travaille au service de sa nation et qui est surtout prêt à sacrifier sa vie pour l'intégrité du territoire, bien sûr. Maintenant, le fait d'avoir cette conception-là, de l'accepter et d'être prêt à ce sacrifice, c'est déjà quelque chose que je juge comme étant un changement positif. Un sentiment de fierté, je suis très honoré. C'est une promotion qui est forte de plusieurs élèves officiers. Donc si je suis celui qui a été choisi pour être le major, compte tenu de mes résultats bien sûr, c'est un grand honneur pour moi, une très grande fierté. De faire mieux que leurs anciens. Certes, on a cherché à être de très bons modèles pour eux, mais nul n'est parfait. Il y a des choses qu'ils peuvent améliorer. Donc on leur conseille de faire mieux que leurs anciens sur le plan du comportement, de la discipline et surtout de la rigueur militaire. Content na strop mbekté lo simone promotion bi bari na élève officier. Man la si yalla def ma genn ci major del ci premier jitu ci classement bi mbekté bu roy la ci man ma ngi ci sante yalla baax ci gram sama wajur quoi. Ben message nga wax rak yi nga xam na nga fi baye ñu def lu gën sen ancien yi di genn luñ fi def dem nañ leen wan exemple gëna rafet ci jikko ci militaire nu mu war di doxale et tout mais comme niñ ko waxé nit matul ñu né parfait donc luma len di wax rek moy ñu gëna gor gor ci discipline militaire rigueur bi ak surtout gëna jang pour am lo xamné seen bop buñu gënné dina len mëna ñëriñ fi ñi dem pour del sa ci dernier descente moy li ci sama matangu bi dëgg wadi sigir nga won dina wax nek militaire après nga nek ci ñu gënu wax ban changement bi ci entre deux jours ñu tuddu na gis na ci changement bu bari changement bu positif ça. Parce qu'avant may dugg armée mën na wax ni ma doon gisé aduna ak légui ni ma koy gisé outé na formation bo ci jaré ba paré di nga xam réellement nga xam ni jang lu bari dal ci aduna ak tamit ci lu militaire di daj ci sen liggéey nu mel ak tamit liñ leen laccé pour ndëriñu réew mi pour réew mi développer liggéey biñu am sen rôle ci réew mi nga xam ni dis na am na solo aussi. Merci beaucoup.